président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, abrégé MPJ-FDS. Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne continue d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba, en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Face à toutes ces manœuvres de manipulation et de théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'elle entraîne, à l'heure des défis mondiaux, le spectacle désolant de ce discours de nouvel an à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Sous le regard complice de la haute hiérarchie militaire, ces officiers généraux supérieurs et subalternes qui ont failli à leur mission, celle de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Ces derniers ont décidé de privilégier leurs intérêts personnels. La patrie nous a tout donné. Elle a fait de nous les personnalités que nous sommes. Nous ne pouvons l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de nous. Ainsi, le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016,